Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo, non pas de gameplay, plutôt une vidéo de promotion de serveur, hein, serveur Rust en particulier. Voilà, je me suis remis un peu à Rust, entraîné par notre cher collègue Ludo, un collègue de la GFF. Je me suis un peu remis à Rust. Un serveur, voilà, un serveur sur lequel on est tous, hein, enfin ceux de la GFF qui se mettent sur Rust, on est tous dessus. Donc ce serveur est un serveur français, bourré de plugins comme vous pouvez le voir sur l'écran. Ce que vous voyez en noir, ce qui est caché en noir, c'est tout simplement pour des raisons de sécurité, hein. C'est une minimap avec des coordonnées, etc. C'est pour pas que vous voyez où je suis, hein, bande de petits fourbes. Donc voilà. Donc ce serveur est ouvert, ce serveur a 200 slots. On peut voir sur la barre du bas qu'on a l'heure de la journée du jeu, le nombre de personnes en train de dormir, le nombre de connectés, quand est-ce qu'il y a un airdrop, un hélicoptère et tout, le nom du serveur, des petits messages. Il y a des events de deathmatch en arène qui ont l'air pas mal du tout. On en a vu de loin, on va dire. Il y a plein de choses. La map est sympa. Voilà, c'est un bon gros serveur à en devenir en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous êtes joueur de Rust et que vous cherchez un serveur bon enfant où il y a du fair play, etc. Venez sur celui-ci. Nous on y est tous. Ce sera avec joie qu'on se croisera sur le serveur. Donc je vais entrer une petite commande. Ah, voilà le genre d'information que le notifieur peut afficher. Un airdrop arrive à telle coordonnée. Voilà, il y a les death notes. Il y a pas mal de choses. Je vais faire un slash info. Et là, on a les infos du serveur. Donc, on a un kit de bienvenue qu'on peut réutiliser deux fois. C'est un kit qui contient quelques ressources, une arme basique, le marteau, etc. pour pouvoir se construire un petit cabanon. Hein, voilà. On peut mettre des images sur les panneaux, hein, des images directement avec des liens internet. Donc ça, c'est pas mal du tout. Vous avez des règles que je vous affiche ici, des règles élémentaires pour la bonne vie du serveur. Hein, c'est éviter les spams, pas de bots, pas de cheat, et voilà, éviter les propagandes, les machins, construire des bâtiments dans des grottes. Voilà. Lors du wipe, on garde nos blueprints. Donc ça c'est pas mal. Enfin quand c'est possible, hein, mais en tout cas c'est pas mal qu'on puisse quand même garder nos plans à chaque wipe. Donc on ne perd pas tout, on ne recommence pas de rien. Voilà, nous rejoindre, hein, nous recrutons. C'est donc un groupe. Voilà, je vous laisse lire le petit texte qui ont leur serveur. Il y a un serveur TeamSpeak auquel vous pouvez vous renseigner si vous avez des questions, etc. auprès du staff. Donc ce serveur ne nous appartient pas, je tiens à le préciser. À la Gaming for Fun, on a eu quand même quelques serveurs. On a eu des serveurs Rust, des serveurs 7 Days to Die, serveur Reign of King. Alors, le Reign of King qui avait quand même pas mal marché. Celui-là ne nous appartient pas. Ce n'est pas un serveur qui nous appartient. C'est un serveur sur lequel on va squatter, en tout cas pour ceux qui comptent jouer à Rust. Pour 7 Days to Die, il y a toujours le serveur de Mike qui est disponible. Même si c'est un peu déserté en ce moment, vu que 7 Days, on l'a torché de A à Z, quoi. Donc à voir. Ça, c'est bon, les commandes. Voilà. Et zone PVE. Il y a une zone PVE où le PVP est désactivé pour ceux qui veulent faire. Ceux qui veulent débuter, s'exercer ou ne faire que construire. Ce n'est pas un serveur pur PVP. Il y a une petite zone PVE. Voilà. Donc voilà les infos du serveur. Il n'y a pas de mot de passe, il est ouvert. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça pourrait être très sympa. Quant à moi. Ah, on peut voir la bâtisse au fond. Voilà. Quant à moi, je compte faire quelques vidéos sur quelques jeux. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos à faire sur pas mal de jeux, mais voilà. C'est pas que j'ai pas le temps de les faire, c'est que. Alors. Je peux pas faire des vidéos n'importe quand. C'est vrai que même si en ce moment je glande beaucoup, il est vrai que je ne peux pas faire des vidéos n'importe quand.
quoi dire d'autre? C'est aussi le manque d'envie pour certains jeux. Alors c'est vrai que j'avais pas mal de trucs au programme. C'est vrai qu'à chaque fois je promets plein de trucs et au final, voilà. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à faire, de vidéos à faire, de streams à faire. Le souci, c'est que parfois j'ai l'envie qui vient pas et j'ai pas envie de me forcer à jouer à un jeu. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, voilà, on vous attend sur le serveur. Il est ouvert. Pour l'instant, tout se passe bien. On farme comme des porcs. Donc là, ah, il y a quelqu'un qui s'est connecté apparemment. Quelqu'un de connecté, ouais, bon. Il est 6h du mat, hein. 6h du mat, il y a quelqu'un qui se connecte. Bon, allez. Je vous laisse. À bientôt dans une prochaine vidéo et prochain live sur YouTube. Alors, oui, en live sur YouTube. Le live sur YouTube, je compte faire que des petits jeux sur YouTube. Je ne pourrais pas liver du Rust. Ou alors, autre jeu en 3D, genre Garry's Mod, etc. Bon, ça me dérange pas de les live. Enfin, vous, ça ne vous dérange pas que je live ces jeux. Mais moi, c'est pas que ça me dérange, mais c'est que voilà, j'ai une connexion pourrave, une connexion, mais voilà. C'est pas la fibre, c'est loin d'être la fibre. Le souci, c'est que mes lives ne se cantonnent qu'au 480p, et le 480p, c'est dégueulasse, voilà. C'est horrible, c'est. Il suffit que je bouge un peu comme ça, et là, le jeu explique, il sait plus où il en est. Ça pixelise de partout, ça a chier. Donc, je pense faire des lives, mais sur de petits jeux ou de jeux de dés, du style de The Binding of Isaac, hein, que niveau qualité est resté correct. Il n'y a pas eu de grosse pixelisation ni rien de tout ça. Oh la vache, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh la vache! Ok, c'est rien. Donc voilà, des petits jeux en stream. Bref, je vais vous laisser, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez la moindre question. Et laissez un petit pouce bleu et partagez la vidéo. Enfin, même si de toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à partager. C'est juste, voilà, une promotion de serveur, entre guillemets. Voilà. À bientôt. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde!